Maintenant, la cuisine de CHSLD était infestée de coquerelles pendant des mois. Marie-Lise, un exterminateur est intervenu d'ailleurs à plusieurs reprises. Il n'a jamais réussi à mettre fin à l'infestation. Non, et cœur sensible ce matin, bien faites attention aux images qu'on va vous présenter. Ça laisse à désirer, surtout si vous êtes en train de déjeuner. Et cette infestation, Jean-François, oui, elle a eu lieu dans un CHSLD de Montréal, du nord de l'île de Montréal, CHSLD Quartier-Ville. Il y a même un exterminateur qui raconte, lors d'une visite, avoir retrouvé plus de 200 coquerelles mortes ou vivantes. Il dit que des coquerelles, bien, il y en avait par centaines dans la cuisine. Il y en avait même près des chariots de nourriture destinée à la clientèle. Ce sont des observations qui ont été faites entre janvier 2023 et janvier 2024. Malgré des dizaines de visites de la part des exterminateurs, eh bien, ils n'ont jamais été capables de mettre fin à ces infestations. Ils ont même, à certaines reprises, noté la présence de souris et de fourmis. Ces propos ont été corroborés par des rapports d'inspection. Ce sont nos collègues du Journal de Montréal qui ont fait des demandes d'accès à l'information pour obtenir ces rapports d'inspection. On y comprend que la cuisine laisse vraiment à désirer. D'ailleurs, bien, il y a un exterminateur qui a noté lors de ses visites accumulation de nourriture dans cette cuisine. Il y avait même au sol de l'huile à friture. Et Jean-François, c'est quoi la réponse du CIUS du nord de l'île de Montréal? Il y a un porte-parole qui laisse savoir toujours au Journal de Montréal. Et là, je vais citer les propos. La sécurité n'a jamais été compromise, la sécurité des patients, de la clientèle. La situation n'a jamais dégénéré et a toujours été sous contrôle. Alors voilà, le CIUS du nord de l'île de Montréal dit que ça a toujours été une situation sous contrôle, malgré le fait qu'il y a des exterminateurs qui ont retrouvé plus de 200 coquerelles dans la cuisine. Oui, je veux bien croire que dans l'avenir, on va avoir nos protéines davantage avec les insectes, mais là, c'est pas comme ça qu'on veut les avoir, effectivement. Merci. À tantôt, Marie-Lise.